Nous avons rencontré le président du FASO autour justement du Covid que nous avons connu et qui sévit toujours, mais qui a eu des conséquences, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. En tant qu'organisation tripartite, nous avons rencontré un ensemble d'organisations, le patronat, le gouvernement, ainsi que les travailleurs, pour voir comment de manière solidaire, nous pouvons faire face aux conséquences de ce Covid. Et c'est dans ce cadre-là donc, que nous avons fait un protocole, nous avons remis au président du FASO, afin qu'il voie avec le gouvernement comment, justement, mettre en œuvre les différentes propositions que nous avons faites pour que l'acte de solidarité de l'ensemble des composantes, gouvernement, patronat et travailleurs, on puisse faire face aux conséquences du Covid. C'est ce protocole-là, le rapport et le protocole concerne justement ces différents points. Nous avons vu le président du FASO, mais il n'est pas le seul. Nous allons voir le chef du gouvernement, nous allons voir également le patronat, nous allons voir les travailleurs et nous allons leur remettre le même document et ferons des amendements afin que, si tout le monde est d'accord, on puisse voir comment de manière commune on va signer ce document et mettre en œuvre les recommandations que nous avons proposées donc pour la lutte commune contre la COVID.